bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans la demeure des gens qui d'apparence sont ordinaires, mais en réalité que le Saint-Esprit rend extraordinaire. Bienvenue dans le palais de gloire, le lieu où Dieu est. Il a dit, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Si le pasteur est présent, mais que le Saint-Esprit n'est pas présent, alors il n'y a personne. Mais quand le Saint-Esprit de Christ, de Dieu est présent, alors il fait toute la différence. Béni soit l'Esprit de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous aimons ta présence. Nous chérissons ta présence. Nous t'apprécions, nous t'honorons. Oh, béni sois-tu. C'est par toi que nous parlons. Merci, Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes toujours en train de parler de comment faire pour accueillir le Saint-Esprit. Parce que cette année, c'est l'année de l'intensification, il nous a dit, de sa glorieuse présence, l'intensification de sa gloire. Donc tu peux être né de nouveau depuis seulement un mois, mais les gens te voient maintenant différent, bizarre, parce que quelque chose se passe en toi. On dit, ah, monsieur, vous avez quelque chose en vous. Non, parce que la présence de Dieu est en train de devenir manifeste. Dieu est omniprésent, omniscient, c'est vrai, mais Dieu ne manifeste pas toujours sa présence. Voilà pourquoi il y a des environnements comme là où tu rentres, tu sens que quelque chose est en train de se passer. Tu n'es pas dans un endroit où on ne fait que chanter, non. On chante par l'Esprit et l'Esprit nous conduit et l'Esprit touche les cœurs. L'Esprit change les sorts, il change les destins, il guérit, il remplit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. À lui toute l'honneur et l'appréciation et à Jésus le Christ seul. Soit la gloire, car c'est lui qui a donné son esprit. Quelqu'un dit amen. Nous sommes donc en train de parler de comment est-ce qu'on fait pour accueillir. Quand Dieu dit je vais intensifier ma présence, et c'est ce qu'il a commencé à faire depuis le mois de janvier, nous devons impérativement apprendre à honorer cette présence, sinon il va l'intensifier. Nous n'allons pas en jouir, en bénéficier, et même pire encore, nous allons même l'offenser sans faire exprès. Non, dit amen. Non. Nous voulons l'honorer. Qu'y a-t-il de plus important dans la vie que de faire plaisir à Dieu? Moi, j'ai cherché. Hein. À l'époque, je pensais que c'était le travail, l'argent, la femme, les enfants, toutes ces choses. Je pensais que ça pouvait donner de la satisfaction, ça pouvait remplir mon cœur. C'est faux. J'ai découvert après beaucoup de recherches que lui seul peut remplir mon cœur et donner un sens à ma vie. Rien d'autre. Bon, comme toi, tu cours encore après l'argent, continue à courir. Et un jour, quand tu auras trouvé l'argent, tu vas continuer à sentir le vide. Quand tu auras trouvé les femmes, tu vas toujours te sentir vide. Quand tu auras beaucoup d'enfants, même si ce sont d'enfants, tu te sentiras toujours vide. Quand tu auras beaucoup de voitures, même sans voiture, tu te sentiras toujours vide. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que sa présence seule peut vraiment combler le cœur de quelqu'un. Sa présence seule suffit à me remplir, à me saturer. Il est la clé de toutes les clés. Il est la réponse à toutes les questions. Qui Jésus par le Saint-Esprit. La clé, c'est savoir accueillir l'Esprit de Jésus. On l'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu très haut. Le Père chérit tellement son Esprit. Il a dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est toujours par mon Esprit, dit l'Éternel. C'est toujours par le Saint-Esprit. Le Père est présent avec nous et en nous par le Saint-Esprit. Jésus glorifié, le Christ est présent avec nous et en nous par le Saint-Esprit. Et nous parle depuis le mois de janvier, depuis début janvier, de comment accueillir, comment honorer la présence du magnifique, du merveilleux Saint-Esprit. Quand on honore le Saint-Esprit, on glorifie Jésus le Christ. Quand on honore le Saint-Esprit, on rend grâce au Père. On adore le Père. Tout se fait toujours par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Et nous sommes, voilà pourquoi il est en train de me dire pendant le dimanche de faire des cas d'école pratique. Pour que toi qui ne viens pas à ADG le vendredi soir, où il nous a dit de mettre en place cette plateforme de 14h jusqu'à 20h, et ceux qui sont là de 14h à 20h, découvrent à quel point c'est magnifique, c'est merveilleux de se tenir dans la présence de Dieu. Pas pour demander quelque chose, juste pour lui dire je t'aime, bisous, tu es digne, je t'aime, je t'adore. Je te célèbre, je te loue, je t'exalte. Est-ce qu'il y a des adorateurs qui viennent le vendredi soir ici dans ce lieu ce matin? Donc vous comprenez de quoi je parle, dites Amen.
quelle grâce de se tenir dans sa présence. Donc il nous a dit que le septième point, c'était que pour accueillir la présence de Dieu, il faut apprendre à servir Dieu. Il nous a parlé de l'importance de servir Dieu, de servir Dieu comme Marthe et Marie, comme on servait Dieu dans la maison de Marthe et de... Nous avons vu ensemble que l'église d'Antioche avait compris le même principe. Comment faire pour servir Dieu? Et nos églises de nos jours doivent apprendre à revenir dans les temps anciens, sous les anciens sentiers, et apprendre comment on sert Dieu. On sert Dieu dans son, dans sa divinité, et on sert Dieu dans son humanité. Marie et Marthe servaient le Christ Jésus dans sa divinité et elles servaient le Christ dans son humanité. Et depuis quelques semaines, on a vu en quoi consistait le fait de servir le Christ ou encore servir Dieu dans sa divinité. Ce qu'on fait, on l'adore, on l'exalte, on le célèbre, on le bénit, on le magnifie, on prie. Il nous donne des sujets de prière instantanément. Et des fois c'est avant, des fois c'est à l'instant même. Qu'importe, on prie, on adore, on célèbre, on exalte. Mais même quand on prie, c'est pas seulement le feu. Non, quand on prie, c'est poussé par l'esprit qu'on prie. On prie toutes sortes de prières, par, toujours par le Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit de Dieu inspire nos prières, on apprend à prier. Quelqu'un me dit amen. L'église d'Antioche avait compris comment servir Christ dans sa divinité et dans son humanité. Acte 13, verset 2, nous dit que comme pendant qu'ils servaient le Seigneur, c'est-à-dire pendant qu'ils rendaient culte au Seigneur, ils rendaient un culte à Dieu. Ils ne venaient pas pour entendre la parole. Quand la parole sort, maintenant c'est Dieu qui maintenant te parle. Or, quand tu rends un culte à Dieu, c'est toi qui te connectes à Dieu, c'est toi qui honores Dieu, c'est toi qui parles à Dieu, comme on vient de le faire de manière pratique. Dis-moi amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Pendant qu'il servait le Seigneur, il rendait donc un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, l'Esprit Saint ou encore le Saint-Esprit dit. Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, alors ayant jeûné et prié, après qu'ils aient servi Dieu, après qu'ils aient servi le Seigneur dans sa divinité, après qu'il ait contemplé, adoré, exalté, célébré, magnifié, Dieu leur a parlé, Dieu les a remplis, Dieu les a touchés, Dieu les a rassasiés, Dieu les a renouvelés, Dieu les a rafraîchis. Voilà pourquoi il faut aimer servir Dieu dans sa divinité. C'est là qu'il te renouvelle, c'est là qu'il te rend fort, c'est là qu'il te remplit, c'est là qu'il te restaure, c'est là qu'il guérit tes douleurs, qui guérit les mains. C'est là, pendant que tu entends le servir dans sa divinité, il te restaure, il te fait du bien. Quelqu'un dit amen et je continue. Mais après, on ne doit pas s'arrêter là. Il y a une autre chose à faire encore. On sert Dieu dans sa divinité. Maintenant, le même Dieu qui nous a permis de nous tenir dans sa présence, c'est le même Dieu qui nous donne maintenant un autre mandat. C'est celui de... Allez, verset 3, il est écrit, « Ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent. » Qu'est-ce qu'ils firent? Ils allèrent. On dit avec moi, il faut aller. Ah non, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps où on sert Dieu, où on honore Dieu, où on adore, on célèbre Dieu. Mais Dieu a des besoins. Un, être adoré, il veut être adoré, c'est vrai. Mais Dieu a aussi un travail qu'il veut nous confier. Les adorateurs, quand ils ont fini d'adorer Dieu, ils quittent maintenant le trône, mais ils vont continuer maintenant toujours à servir. Autrement dit, on sert 24 heures sur 24. Quand on sert dans l'adoration, la louange, on finit maintenant, on rentre à la maison. Quand on rentre à la maison, on part, on est en chemin. On doit continuer à servir Dieu. Ils allèrent. Qu'est-ce qu'ils allèrent? Ils allèrent maintenant en mission pour gagner le monde à Christ. Pour gagner le monde. Dieu veut gagner le monde. Dieu veut gagner le Congo tout entier. Et pour ça, il a besoin des vases d'honneur. Il a besoin des hommes et des femmes. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur. Quand tu sers le Christ dans sa divinité, il remplit ton cœur d'audace, de courage, de zèle, de puissance, de foi. Maintenant, il te dit, va proclamer la bonne nouvelle. Va annoncer la bonne nouvelle. Servir le Christ dans son humanité, c'est quoi maintenant? C'est aller gagner. Dis avec moi, aller gagner. Aller gagner le monde pour Christ. Il a un monde à sauver. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Pourquoi?
pour que les hommes ne soient plus perdus, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu ne veut pas que les âmes soient perdues, il veut que les âmes soient sauvées. Mais pour cela, quelqu'un doit se lever et aller. Quelqu'un me dit un bon amen. Servir Dieu ou encore Christ dans son humanité, c'est gagner le monde pour Christ, c'est vrai. Première étape. Deux, c'est enseigner le monde la justice de Dieu. À apprendre aux gens à marcher dans les voies de Dieu. Dans le livre de Matthieu 28, on appelle cela la grande commission, le grand commandement. On appelle aussi l'ordre suprême. Dis amen. C'est-à-dire que Jésus, avant de partir, après avoir été crucifié, enseveli, et le troisième jour ressuscité d'entre les morts, il apparut pendant 40 jours à ses disciples. Il parlait des choses qui concernaient toujours le royaume de Dieu. Et maintenant, avant de partir, il dit, je vous donne un ordre suprême. C'est le dernier mot. Et n'oublie pas que les dernières paroles d'un homme sont très importantes. Quel que soit ce qu'on a dit toute la vie, n'oublie pas que quand un homme aura marqué sa génération, fais attention, recueille les dernières paroles de cet homme. Et les dernières paroles de Jésus, c'était « Allez !» Pas « Restez !» Mais « Allez !» Faites de toutes les nations. Pas des chrétiens, non, mais des gens exactement comme moi. N'allez pas faire des chrétiens des églises, non, faites des disciples, c'est-à-dire des gens qui ressemblent exactement à moi. Quand on les voit, on m'a vu. Quand on les entend, on m'a entendu. Quand on les touche, on m'a touché. Les disciples parlent comme leur maître. Les vrais disciples parlent comme leur maître. Oh, dis amen, oh. Amen. Allez, faites de toutes les nations. Le mot nation, c'est R, on le sait, pour beaucoup d'entre nous, c'est ethnos. Toutes les communautés. Il ne parle pas des pays d'abord, il parle des communautés. Allez chez les médecins. Faites de toute la communauté des médecins, des disciples de Jésus-Christ. Comme ça, quand ils vont faire les soins médicaux, ils vont le faire pousser par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Allez voir les forces de sécurité et de défense. Allez dans la communauté des forces de défense et de sécurité. Annoncez la bonne nouvelle. Parlez de Christ, témoignez Christ dans tous les cercles. Allez chez les politiciens. Parlez-leur de Christ. Dites-leur que Jésus est la réponse à tous les problèmes. Que Jésus fera d'eux des excellents politiciens. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand ils n'ont pas Jésus, ils vont faire des choses bizarres. Mais quand ils ont Christ qui les remplit, ils seront poussés par l'Esprit de Dieu. Allez, faites de cette communauté des politiciens, des disciples de Jésus-Christ. Je rêve, comme dit Martin Luther King, a dit, moi, I have a dream. Moi aussi, je fais un rêve où tous les politiciens, gouvernants, maires, régions, conseils départementaux seront des disciples de Jésus de Nazareth. Oh, laissez-moi tranquille. J'ai dit, je fais un rêve, c'est mon rêve. Voir tout le Congo, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique embrasée par la puissance de Jésus. Les gens transformés par le... Oh! Quelqu'un me dit amen. Oh, je rêve de ce jour. Allez dans toutes les communautés. La communauté des commerçants. Ce sont des ethnos, ce sont des nations. Les gens qui font des affaires, allez là-bas. Faites d'eux des disciples. Comme ça, quand ils vont faire des affaires, ils vont faire des affaires selon les principes du royaume. Quand ils vont donner avec un cœur généreux. Oh. Allez faire d'eux des disciples. Comme ça, nous allons bâtir des églises de 40 000 places sans problème. C'est des temples hein, où on viendra honorer Dieu de partout. Mais ça, il faut que les gens payent, des gens contribuent. Oh, je pensais que tu allais me donner un bon amen. Faut toucher. Allez voir les infirmières. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Dis avec moi les nations. Ce sont donc les communautés d'individus qui partagent le même centre d'intérêt. Des communautés d'individus qui partagent le même centre d'intérêt. Ça peut être la même langue. Ça peut être le même métier. Ça peut être les mêmes activités. Mais allez, touchez-les. Allez. Faites de toutes les nations, les communautés des artistes, ceux qui chantent tous les oh bolingo, chéri, chouchou. Allez leur dire, ça là, il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort dedans. Allez témoigner Christ. Faites d'eux. Comme ça, demain, on verra de plus en plus d'artistes qui vont se tourner, qui vont dire, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer.
Mais lui, il chantait Bolingo, chouchou, Bolingo, nanga. Il dit non, ça c'était hier. Mais maintenant mes mains s'élèvent pour te louer. Je croyais que tu allais me donner un bon amen. Pour t'adorer. Oh, le temps vient et il est déjà là. Nous allons voir des artistes par dizaines et dizaines après centaines se tourner vers Jésus. Ils se tourneront vers Jésus. Et on dit amen. Allez vers la communauté des gens du cinéma. Les Congo Wood, Hollywood, Nollywood. Très bien, on fera des films inspirés par le Saint-Esprit. On ne fera plus des films où on enseigne aux gens la sorcellerie. Dès l'âge de 2 ans, ils sont enseignés à la sorcellerie. Avec toutes sortes de séries télévisées misérables, bidons et sataniques. Ils ne savent même pas. On leur apprend à aimer les sirènes. Ils ont 5 ans. Les sirènes, les serpents sont devenus les amis des hommes. Les serpents sont des ennemis des hommes. Les sirènes sont des démons. Mais on fait croire que ce sont des amis. Les fées. Non. Comment il faut changer ça? Pas en critiquant. En infiltrant. On appelle cela la stratégie de l'infiltration. Tu rentres là-bas, tu brilles. Vous êtes la lumière du monde. Tu rentres dans les milieux du cinéma et tu brilles. De cette famille spirituelle, Dieu va susciter les plus grands acteurs de cinéma dans le monde. Pour l'instant, on parle du Nigeria. Le Nigeria est en train d'exploser, mais ils ont payé un prix. Ça vient de l'église, de cette famille qu'on critique tellement. D'ailleurs, sachez que ICC est tellement critiqué, ICC sera envié demain. Ah, c'est toujours pareil. Ceux qui nous critiquent vont dire, oh, si j'avais su, c'est pas grave, repends-toi et change. Mes frères, mes soeurs, ne vous inquiétez pas. Du milieu de vous, là, vont sortir les plus grands acteurs, les plus grands metteurs en scène, les plus grands entrepreneurs, les plus grands étudiants, les plus grands commerçants, les plus grands industriels, les plus grands. Si tu reçois ces paroles, donne un amen pour toi-même. N'oublie pas, c'est l'année d'accroissement et par le Saint, c'est lui qui le fera. Ce n'est pas toi, c'est lui qui le fera. Oh, dis-moi amen. Servir le Christ dans son humanité, c'est donc obéir à l'ordre suprême de aller. Il faut aller. Il te critique, c'est pas grave, nous allons quand même. Faites de toutes les nations, toutes les communautés. Est-ce que donc tu comprends le mot ethnos, le mot nation? C'est pas les pays, c'est les rassemblements, c'est les groupements, c'est les communautés d'individus qui partagent le même centre d'intérêt. Tu as un centre d'intérêt. Et tu connais des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi. Dieu dit, rentre dans ce milieu-là. Infiltration. Il y en a, ils ne vont même pas te voir arriver. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là. Ah, mais depuis que tu es là, c'est bizarre. Je me sens... Emmène-moi dans ton église. Il faut venir. Des milliers et des milliers et des milliers de gens viendront recevoir le salut. Vous verrez. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Enseignez-leur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enseigner. Servir le Christ dans son humanité, c'est aller témoigner Christ. Et quand on les gagne à Christ, on les emmène dans le royaume. On doit maintenant les enseigner, les instruire dans les voies de Dieu. Toute âme qui est née de nouveau dans le royaume, mais qui n'est pas enseignée, est née pour rien. On te fait naître dans un pays, on doit te faire enseigner, on doit maintenant t'instruire. Quelles sont les lois du pays? Comment fonctionne le pays? Comment vivre dans le pays? Dis-moi amen. Amen. Toutes les fois que quelqu'un est en train d'enseigner les autres,
à observer la parole de Dieu, à marcher avec Dieu, à plaire à Dieu, à aimer Jésus, à glorifier Jésus. Tu es en train de servir le Christ dans son humanité. Si tu as compris, dis amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas être pasteur, non. Je peux être une âme sauvée, je n'ai pas de titre à l'église. Mais quand j'entends la parole le dimanche, je cherche quelqu'un à qui partager cette parole. Je cherche quelqu'un. Je ne suis pas pasteur, mais pasteur, ça ne veut rien dire. Servir Dieu dans son humanité, ce n'est pas être pasteur. Non. Il y a des pasteurs qui n'enseignent que le dimanche. Et puis, de lundi jusqu'à samedi, là, ou à dimanche prochain, là, il ne fait rien d'autre. Oh non. Ah non. Il faut aller tous les jours. Il faut parler tous les jours. Est-ce que tu sais que des fois, 5 minutes de partage avec quelqu'un, tu peux relever une personne. 3 minutes de témoignage à quelqu'un, tu peux l'affermir. Tu peux l'aider à être guéri. Tu peux soigner quelqu'un. Fais attention. Dans le monde, les gens sont blessés par les paroles. Il y en a qui ont tellement été rejetés par les paroles. Les gens souffrent par les paroles qu'ils ont entendues. Mais par tes paroles à toi que tu entends ici, tu peux donner même 5 minutes. Ils vont te dire, oh, oh, comment tu as pris ces paroles? Mais dis amen. Il y a quelqu'un qui me témoignait hier qu'il était à Kinshasa. Et puis, il a rencontré le patron d'une grande société de la place. Il parlait avec le gars. Parce que j'ai parlé avec lui pendant 10 minutes. Il me dit, pasteur, ce que tu m'as dit, là, on parlait des affaires. Parce que le pasteur Yves, Dieu lui a fait aussi la grâce de comprendre le monde des affaires. Tu comprends, non? Ah oui, hein? Non, chacun a ses grâces. Hein? C'est un don qui m'a fait la grâce d'avoir. Et donc, je lui parlais de comment développer son entreprise. Il était là, waouh. Il dit, oh, il notait. Et puis, quand il a entendu ce que je lui ai dit, il est allé partager ça à un grand patron d'une grande société de RDC, dont je tairai le nom, de Kinshasa. Et il me dit que quand il est en train de parler au gars, le gars lui dit, mais qui t'a appris ça? Il dit, mon pasteur. Il dit, mon quoi? Toi, ton pasteur connaît ces choses de l'entreprise? Et il dit, ah non, je dois voir le pasteur Castanou en question. Je dis, non, il ne doit pas me voir moi, il doit voir Jésus. Il dit, oui, il sait parce qu'il est chrétien. Il dit, je suis chrétien. Il dit, mais moi, j'ai jamais dit ces choses-là. Hein? Dis, amen. Donc toi, par ta bouche, Dieu peut relever plusieurs. Enseigne les autres à marcher avec Dieu. Je ne te dis pas que tu dois connaître la Bible par cœur. Même moi, je ne la connais pas par cœur. Même moi, j'oublie les versets. Même moi, il y a des choses que je ne connais pas. Ne t'inquiète pas. Mais au moins, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quand un cœur est rempli de compassion. Maman, quel âge tu as? 70 ans. Parle aux autres. Parle aux autres, maman de 70 ans. Parle aux jeunes, parle aux vieux. Parle. Ne te tais pas, parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans Marc 16, verset 15, Jésus a dit encore, allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, faut pas rester à l'église. On sert Dieu, on honore Dieu, on adore Dieu. Quand on a fini, on rentre à la maison, dans le bus, parle. Trouve quelqu'un, parle. En marchant en rue, en dans les rues, arrête-toi, parle. Dis amen et je continue. Prêche la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, à tout ce qui vit. Si tu vois un serpent, parle au serpent. Tu dis, dégage de ma vue, dans le nom de Jésus le Christ. Il a dit à toute la création. Il n'a pas dit seulement aux hommes, hein, à toute la création. Il y a des animaux qui doivent entendre. Il y a des démons qui doivent t'entendre. Il y a des sorciers qui doivent t'entendre. Il y a des corbeaux sataniques qui doivent t'entendre. Il y a des chats la nuit, tu dors, ils font miaou, miaou, ils te dérangent. Miaou, après de ta fenêtre. Hey! Pars de là au nom de Jésus. Prêche l'évangile. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je dormais, puis j'entends des pas des. Je dormais dans ma chambre, j'entendais comme s'il y avait des gens qui marchaient sur le toit de la maison. Il y en a qui ont déjà connu ces gens de choses-là. On les appelle des esprits frappeurs. Ils sont là pour te faire peur, comme s'il y avait des gens qui marchaient sur le toit. Ils marchaient sur le toit. Je dis, qui a osé? Je dors et tu me réveilles. Il dit, toi qui es dessus de ma chambre, dans le nom de Jésus, dégage de là. Je te réveille, sors, pars.
Plus rien. Allez, dégagez. Parle à toute la création. Parle aux démons. Parle aux démons. Vire-les. Oh, je pensais qu'elle me dirait amen. Toute la création doit entendre ta voix. Ils doivent t'entendre parler de Jésus-Christ. Tu dis, Jésus m'a sauvé. Qui t'a donné le droit de me tourmenter? Hé, démon, parle aux sirènes des eaux. Parle aux maris de nuit. Toi qui t'as donné le droit de venir me souiller. C'était hier. Tu mets les mains là, je commande le sang de Jésus. Bon, ok, ça c'est après. Malobreko, masita, kavara, baba. Pourquoi ton voisin est en train de sourire? Non, il y a ton voisin qui est en train de sourire. Pourquoi? Repends-toi. Dis amen. Prêchez la bonne nouvelle. Il faut aller. J'aime l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Allez dire au monde entier, dans les bus, dans les taxis. Quand tu es assis dans un taxi, tu dis, mon frère, est-ce que tu connais Jésus? Il va te dire, waouh, moi je connais, je vais à l'église. Non, est-ce que tu connais le Christ? Jésus le Christ, sa mort est un sacrifice. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié son propre fils. Le sang précieux de Jésus est la réponse de Dieu à tous les problèmes des hommes. En lui, par son sang, tous les hommes sont délivrés. Mais avant d'être délivrés, ils sont d'abord pardonnés. Mon frère, quel que soit le mal, les crimes, les péchés que tu as commis, les abominations, les choses horribles que tu as commises, il y a un sang, quand il vient sur toi, il te lave et il te rend plus blanc que la neige. Non seulement il te purifie, mais il efface tes péchés. Tu dis, avant, mon passé, j'ai fait trop de mal. Mon ami, ton mal là, tu étais ignorant. Tu étais contrôlé par le monde des ténèbres. Mais il y a un sauveur, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Car il n'y a de salut en aucun autre. Un seul est le sauveur. Son nom est Jésus. Et il sauve les hommes par son sang. Si tu crois dans ce Jésus, il te sauve, il te restaure et il te ramène au Père. Allez parler de Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner un bon amen maintenant. Allez témoigner Christ. Personne ne connaît la Bible par cœur. Mais on peut dire que Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Il change les sorts. Il change les destins. Il change les vies. Il transforme les circonstances. Qui? Ce Jésus. Comment? Par son sang et par la puissance du Saint-Esprit qu'il m'a donné. On te dit, oh petit, toi tu parles comme ça comment? Oui, mais il est où ce Jésus? Il habite en moi. Là je suis, je veux réveiller le cœur des gagneurs d'âme. Gagneur d'âme, ce n'est pas quelques-uns, c'est celui qui est sauvé. Quelqu'un me dit amen. Celui qui croira et qui sera baptisé, verset 20, il sera sauvé. Ce n'est pas tout de croire, il faut être baptisé. Tu as cru, sois baptisé dans les eaux du baptême. Je n'ai pas dit sois aspergé. Non, c'est pas le baptême. On te prend, on te plonge dans de l'eau et tu ressors comme Jésus est ressorti de la tombe. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Oh, sozo, ça veut dire délivré, libéré, guéri, restauré, transformé, changé. Et ça passera par toi. ICC sera une église de gagnants d'âme. Tout le monde sera gagnant d'âme. Ah oui. Même si tu sais, je ne sais pas parler français, tu parleras en lingala. Nazolo balingala, tu parleras en munukutuba. Tu parleras en boshi, en vili, en teke, en bembe, je m'en fous, tu parleras. Tu parleras de Jésus. Oh. Quelqu'un me dit amen. Il est écrit, celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il sera condamné, jugé éternellement. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il soit sauvé. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Le verset 20, il est écrit, ils s'en allèrent prêcher dans certains endroits. Non, ils s'en allèrent prêcher partout, dans tout le Congo. Ils s'en allaient prêcher partout dans toute l'Afrique.
ils s'en allèrent. Ah, j'ai reçu une affectation, je suis nommé à Dolizy, ou à Nkaï, ou à Sibiti, ou à Muyonzi, ou à Evo. J'ai été nommé et ils s'en allèrent prêcher partout. Ah, je dois aller pendant 6 mois dans un village et ils s'en allèrent prêcher partout. Quel que soit le lieu où tu pars, tu n'y pars pas par hasard. Tu pars pour un but. Vous êtes la lumière du monde. Les ténèbres couvrent la terre. La terre a besoin de la lumière. Le monde a besoin d'être éclairé. Ce sont ceux qui sont sauvés, qui deviennent des lumières, qui peuvent aller briller dans le monde. Tu vas dans une entreprise, cette entreprise-là, même si on te dit qu'elle est en faillite, mais qu'elle t'a recruté, par ta présence, l'entreprise peut retrouver la vie. Tout est question de ta foi. Nous sommes des hommes et des femmes en mission. Mission de aller. À quel moment sommes-nous très forts dans notre mandat d'aller? Quand nous avons passé le temps à servir Dieu dans sa divinité, dans l'adoration. C'est là qu'il nous rafraîchit. Allons-y maintenant. C'est là que tu deviens inarrêtable, imperturbable, instoppable. Si c'est de toi que je parle, dis amen. La priorité des priorités, servir le Christ dans son humanité. Quelqu'un doit le servir. Après de l'avoir honoré, adoré, célébré, tu dois aller maintenant témoigner Christ. Annoncer Christ. Aucune entreprise, telle qu'elle soit, ne peut prospérer tant que ses produits ou ses services ne sont pas connus du grand public. Tu peux faire la plus belle entreprise au monde. Tant que les produits que tu as ne sont pas connus, tu ne pourras pas les vendre. Quelqu'un doit les vendre, la bonne nouvelle. Gratuitement. Pas de pesanga, non, gratuitement. Quelqu'un doit aller parler de Christ. Quelqu'un doit aller parler de l'œuvre achevée de Christ. Avant d'aller parler, tu dois comprendre toi-même en quoi consiste l'œuvre achevée de Christ. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts conformément aux Écritures. L'Évangile, c'est ça. Tout tourne non pas autour des pasteurs, mais autour de Jésus de Nazareth, le Christ. C'est lui qui est la réponse. C'est lui qui est la solution. Ce n'est pas nous, c'est lui. Mais nous, quand nous parlons de nous, nous parlons de Christ en nous et de nous en Christ. Si quelqu'un me suit, dit amen. Le monde a besoin, je vous dis, les gens sont perdus. Dans leur grosse 4x4, les gens sont perdus. Ils ont besoin du Sauveur. Ils sont dans les boîtes de nuit en train de danser. Poum, 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 poum. Ils sont dans les nightclubs, dans les discothèques, dans les bars VIP. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils n'ont pas de Sauveur. Ils sont aveuglés. Satan les tourmente. Ils construisent des grandes maisons. Ils voyagent dans les avions en première classe. Ils sont perdus en première classe. À quoi sert-il à un homme d'avoir l'impression de gagner tout le monde si au final, il est condamné éternellement? Ça ne sert à rien. Les gens doivent être sauvés et quelqu'un doit parler de Jésus. Quelqu'un doit témoigner de Jésus. Quelqu'un doit être embrasé de Jésus. Je suis un passionné de Jésus. Je parle de Jésus du dimanche à dimanche. Donne-moi seulement quelqu'un qui vit ou qui respire. Vous savez, j'ai une habitude. Dès que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, j'essaie de donner ce qu'on appelle des phrases accroches, juste pour attirer ton attention. Il dit bonjour, selon la fonction que j'ai et qu'il voit en moi, je veux lui parler de Jésus. Je vais toujours essayer d'aller parler de Christ d'une manière ou d'une autre. Quand il va partir, même si je n'ai pas pu parler de Jésus, mais il saura qu'il y avait quelque chose que je lui ai dit. Il y a toujours quelque chose que je veux dire. Et puis après, je vais prier pour lui afin qu'il soit sauvé. Si quelqu'un me suit, tu dis un bon amen et je continue. Le royaume de Dieu doit se faire connaître. Il doit se faire. Jésus a dit allez. Ils ne viendront pas tous à l'église. Voilà pourquoi il faut aller. Dans le bus, il faut aller. Avant d'aller, on prie. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de faire cette brochure. Je me suis inspiré d'un père. Il m'a dit de faire cette brochure. Où est-elle? Focus année 2019. ICC 2019, c'est notre focus.
C'est-à-dire que c'est la direction que nous prenons. Ça, c'est notre priorité. Dis-moi amen. Ça, c'est notre focus. Cette année, nous prions en tout temps, en tout lieu pour les âmes. Nous prions pour les familles. Nous prions pour que les âmes soient sauvées, qu'elles rentrent dans le royaume. Et quand elles rentrent dans le royaume, après maintenant, elles doivent marcher dans le royaume. Elles doivent vivre dans le royaume. Dans le bus, j'étais chez quelqu'un il y a quelques jours. J'étais chez eux. Je n'ai pas parlé. Pendant qu'on parlait, j'étais en train de prier dans mon cœur. Je dis, Seigneur, sauve-les. Que la puissance de Satan qui agisse soit brisée. Que la puissance de l'idolâtrie religieuse soit brisée. Seigneur, ouvre. On parlait hein, pendant qu'on était en train de prendre un verre. Hein. Moi, je priais. Tu sais, des fois, pour prier, tu n'as pas besoin de tout nous dire. Non, des fois, on ne peut pas toujours faire. Oh non. Mais mal au bras. Oh, dis amen. Oh. Je priais. Je vois des gens, je prie. Des fois, quand je tourne un peu la tête, je prie. Ils sont aveuglés. Personne n'est perdu par exprès. Personne ne fait exprès d'être perdu. J'étais perdu hier. Je ne faisais pas exprès. Je ne connaissais pas. Il ne faut pas condamner ceux qui sont perdus. Ils ne font pas exprès. Oh, si, ils font exprès. Ils ne font pas exprès. Oh, mais le sorcier, tu sais que beaucoup. Tout ce qu'ils ont connu, c'est la sorcellerie. Depuis qu'il est né, il a été initié à la sorcellerie. Donc c'est tout ce qu'il connaît. Il ne connaît pas la lumière. Il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne connaît que le mal. Et nous, on le condamne, on le condamne. Oui, d'accord, il peut être condamné, mais il ne fait pas exprès. Bon, maintenant, il y en a quand ils ont vu la lumière, il faut qu'ils changent. S'ils ne changent pas, maintenant, il va vivre la mort. Ah. Là, tu vas toujours prendre la vie des autres. Mais à un moment donné, il faut qu'ils voient la lumière. Quand ils t'affrontent, il voit que lui là, je n'ai pas réussi à la voir. Il essaie encore. Il te dit, petit, mon fils, je ne sais pas dans quel chemin tu es là, mais toi, ton chemin là, c'est un bon chemin. C'est-à-dire, parce qu'il a confronté la lumière, il découvre qu'il y a, vrai, il y a une puissance qui est supérieure à la sienne. Dit amen. Et c'est là que son cœur commence à dire, ah, il faut que je change peut-être moi aussi mes voies. Et toi, tu pries pour lui. Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Autrement dit, quand tu cherches la vie, c'est moi, dit Jésus. Quand tu cherches la porte, c'est aussi moi. Quand tu cherches la vérité, c'est aussi moi. Je suis la parole faite de chair. Je suis la vie éternelle. Je suis la porte qui ouvre le chemin du royaume. Je suis tout ce que vous cherchez. Mais quelqu'un doit le leur dire. Mais avant de leur dire, on prie pour eux. Dis avec moi, on prie pour eux. Et cessez vos prières. Prie pour les autres. Prie pour ceux qui sont perdus. Prie. Vos prières. Et puis il faut témoigner. Servir le Christ dans son humanité. J'ai tellement à dire. Et là, je te résume l'essentiel. Tu vas témoigner. Après avoir prié, tu témoignes. On prie en tout temps et en tout lieu. Est-ce qu'il y a un endroit particulier dans lequel on prie? On prie ici à midi en prière. Viens prier avec nous. Viens apprendre à prier en midi en prière. Viens apprendre les sujets de prière pour prier pour les autres. Et puis après, tu rentres chez toi, tu fais la même chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dit amen. On prie pour les autres. On prie encore où? Dans le bus. On prie au bureau. On prie dans les toilettes. On prie dans la douche, on prie en marchant. 5 minutes de prière peuvent changer la vie de plusieurs. 10 minutes de prière peuvent changer. Une heure, ça peut aussi changer. 2 heures aussi. Mais ne méprise pas les petits temps de prière. Prions. Comme quand tu pries pour le repas, là. Enfin, si bien sûr tu pries pour le repas. Parce qu'il y en a qui, il y en a même pour rendre grâce à Dieu pour le repas. C'est j'ai faim. Mon ami, fais attention. Hein. C'est parce que tu es en train de manger. Bon, quelqu'un dit aïe et puis je continue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Pour prier. Cette année, soyons des hommes et des femmes de prière. Randobosia. Prière, pas pour moi, pour les autres. Moi, je veux prier pour moi-même, d'accord. Mais je prie d'abord pour que les autres soient sauvés. Priorité des priorités. Les âmes doivent naître dans le royaume de Dieu. Et puis, non, après, ils doivent maintenant marcher dans le royaume de Dieu. Vivre dans... Mais il faut d'abord qu'ils naissent. Des multitudes à Brazzaville, au Congo.
en Afrique centrale, en Afrique, partout, ne sont pas encore rentrés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore allés. Aller, c'est une obligation. Aller, c'est un privilège. C'est obéir à la parole de Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dans 1 Corinthiens 9, dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16, écoute ce que l'apôtre Paul le dit. Ne dis pas, c'est parce qu'il était apôtre. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand Dieu dit une chose pour un, elle est valable pour tout le corps. Mais regarde la pensée, le mode, la mentalité de Paul. C'est cette mentalité que toi et moi, on doit avoir. Oh, je suis DG, je suis ministre. On s'en moque. C'est la mentalité qu'il faut avoir de quelqu'un qui est un gagneur d'âme. Quelqu'un qui prêche l'évangile, qui parle de Jésus, qui parle de la bonne nouvelle. Paul le dit, si j'annonce la bonne nouvelle, si j'annonce l'évangile, quel évangile? La bonne nouvelle de Christ. Ce n'est pas pour moi un sujet de fierté. C'est-à-dire, ce n'est pas à dire, ouais, j'ai parlé. Non! Si j'annonce Jésus, je n'ai pas à me vanter de cela. Si je parle de Christ, ce n'est pas un sujet de gloire ou de fierté ou d'orgueil. Non, dis Amen. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Je suis obligé de témoigner Christ. Je suis né pour lui. Je suis sauvé par lui. Je vis pour lui. Il est ma vie. Je dois parler de lui. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi pour être orgueilleux. Non. C'est une obligation, quel que soit mon rang, ma fonction, mes diplômes, mes études, mes niveaux, quel que soit, c'est une nécessité. Je n'ai pas entendu ton Amen. Écoute la suite de la phrase. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Toi, tu n'as pas envie de dire ça par contre. Hein? Il dit malheur à moi. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Ça, c'est la version Darby. Je dois évangéliser. Je dois témoigner Christ. Je dois parler de ce que Christ a fait pour moi. Je dois témoigner de ce que Christ est mort pour moi. La plupart des gens, ils vont à l'église. Ils n'ont jamais entendu parler de l'œuvre achevée de Christ. Ils ne savent pas que l'évangile se parle autour de Christ. Voilà pourquoi ils ont mis tous leurs espoirs dans les hommes de Dieu. Ils ne connaissent pas le Christ. Ils ne connaissent pas Jésus. Et ils ne connaissent tellement pas Jésus que Satan leur a dit, ok, ajoutez à Jésus maintenant les anges. Ajoutez à Jésus aussi les mamans, sa mère, ses frères. Honorez-les. Tu sais pourquoi? Ils n'ont pas compris qui est le Christ. Donc comme ils n'ont pas compris qui est Christ, ils pensent qu'il faut compléter Christ par autre chose. Non, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout a été créé par lui, pour lui, en lui. Christ, il est la parole faite chair. Il est le Dieu fait homme. Il est la porte. C'est par lui que tous les hommes peuvent être sauvés. Il n'y a aucun autre moyen par lequel un homme peut être sauvé sur la terre. Pas par un ange, pas par Marie, pas par Joseph. Non, Christ seul. Christ seul et Christ seul. Dieu a renfermé tout le mystère. Le mystère, on l'appelle le mystère de Christ. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Tout est dedans. Qu'est-ce que tu cherches? Élévation? Comprends ce qu'il a fait. Mais tout est centré seulement sur Jésus, le Christ. Sur Jésus, le Messie, rien d'autre. Mais comme on n'a pas compris Christ, alors on allait dire, oh, cet homme de Dieu-là, ah, c'est mon Dieu. Il est comme mon Dieu. Tu es fou? Tu es folle? Christ ne se compare à personne. Jamais n'ajoute rien à Christ. Il est tout. Et la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus, le Christ. Tout est en lui. Et nous, on cherche l'espoir dans les hommes. C'est parce qu'on n'a pas connu Christ. Les gens vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Christ. Oh Christ, est la vie recherchée de mon âme. Oh Christ, la passion de mon cœur. Toi, tu dois apprendre à le connaître. La bonne nouvelle, c'est que tu ne le connaîtras jamais totalement. Quand tu penses l'avoir saisi, il se révèle à toi d'une autre manière. Quand tu penses que tu l'as compris, il se révèle encore d'une autre manière. Tout est en Christ. Il dit si, il dit malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. La version de Darby dit malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi si je n'évangélise pas.
Ce n'est pas la responsabilité d'un pasteur ou d'un apôtre ou d'un évangéliste. C'est la responsabilité de tout croyant. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Je dois parler de Christ. Il y a un peuple nombreux qui veut gagner. Il cherche une bouche par laquelle il doit parler. Il cherche des mains par lesquelles il peut toucher les malades. Il cherche des pieds par lesquels il peut aller de ville en ville, de village en village, de ruelle en ruelle, de parcelle en parcelle. Il cherche quelqu'un. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Toi, tu passes des mois, des semaines, des années. On ne peut même pas compter le nombre d'âmes, le nombre de personnes à qui tu as témoigné Christ, le nombre de personnes que tu as exhortées, encouragées, enseignées à marcher en Christ. Tu viens à l'église tous les dimanches, mais de toi rien ne sort, quel que soit tout ce que tu reçois. Dieu est trop sage. Écoute-moi. Quel que soit tout ce que tu entends, tout ce que tu emmagasines, semaine après semaine, tant que tu ne trouves pas un vase à qui partager ce que tu as entendu, tu ne le retiendras jamais. Ça s'appelle la loi de la semence et de la récolte. La loi du donner et du recevoir. Si tu entends, tu entends, tu entends, mais tu ne parles jamais de ce que tu as entendu, rassure-toi, tu vas oublier tout ce que tu as entendu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Voilà pourquoi chacun d'entre nous est appelé à être un témoin. Quelqu'un a besoin de t'entendre. Chaque dimanche, de lundi, de dimanche à dimanche, trouve quelqu'un. Si tu dis, ah, encore toi, tu me fatigues, tu dis oui. Mais en fait, tu es en train de te déverser. Donc en fait, tu es en train de semer. Et quand tu sèmes dans la vie des autres, tu récolteras toi-même. Il faut parler. Ne sois pas quelqu'un qui écoute les messages. Ouh, bon message. Ouh, amen. Power. Waouh. Waouh. Si tu n'as pas pris ce message pour le partager à quelqu'un d'autre, il ne te servira à rien. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Est-ce que Dieu parle au cœur de quelqu'un ce matin? Si je le fais de bon cœur, j'en ai le salaire ou encore la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est-à-dire, je vais le faire quand même. Mais il n'y a pas de récompense. Parce que quand on sert Dieu dans sa divinité, dans son humanité, on doit le faire avec joie. On doit le faire avec joie. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est content quand les âmes sont sauvées. Alors moi, en ayant parlé au moins à quelqu'un, même si je n'ai pas mené au salut, mais j'ai semé une semence. J'ai semé une graine. Je peux semer deux graines, trois graines. Un jour, cette semence-là va rapporter. Dieu ne t'a pas dit que tu dois convaincre les gens. Dieu t'a dit de parler. Et celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas le pouvoir de convaincre. Jamais. Aucun homme n'a le pouvoir de convaincre. Ne dites pas, ah, le pasteur, quand il parle, les gens sont touchés. Faux. On peut parler avec la belle rhétorique, ça ne veut rien dire. Celui qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Mais pour toucher, il faut que quelqu'un parle. Oh, donne un amen à l'Esprit de Dieu. Au verset 19, il dit, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait serviteur, c'est-à-dire esclave, ministre de tout le monde, afin de gagner le plus grand nombre. Tu ne peux pas gagner tout le monde, mais tu peux essayer de gagner le plus grand nombre. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais tu peux essayer de parler au plus grand nombre. Oh, dis amen si tu comprends ce que Dieu dit ce matin. Et il continue. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, quoique sans loi, je crois que je ne sois pas sous la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et là, j'ai mis une parenthèse. Parce que dans la version originale, la version grecque que Louis Segond, que la version en anglais a mieux traduit, il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns, by all means. C'est-à-dire par tous les moyens. Par tous
tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens, je dois sauver quelques-uns. Dans ma famille, par tous les moyens, je dois sauver quelques-uns. Dans ma famille, je ne peux pas sauver tout le monde. Mais par tous les moyens, je dois prier pour eux. Et après, je dois leur parler. Par tous les moyens. Dis avec moi, par tous les moyens. Cette année, c'est l'opération tous les moyens. C'est-à-dire par tous les moyens. Tais-toi. D'accord. Demain, tu reviens encore. Ah, on ne veut pas t'écouter. Après demain, ah, t'écoutes plus, tu nous fatigues. Seigneur, qui m'écoute. Qui m'écoute, Seigneur. Touche leur cœur. Parle à leur cœur. Que ce voile démoniaque qui les empêche d'entendre Christ soit déchiré au nom de Jésus. Bonjour, tonton. Ah, laisse-moi. Seigneur, que cet esprit qui s'oppose à l'évangile soit brisé au nom de Jésus-Christ. Bonjour, tantine. Ah, j'ai mal à la jambe aujourd'hui, vraiment. Tu peux prier pour moi? Oui, maman. Là, tu t'appuies seulement sur le Saint-Esprit. Tu es un homme et une femme en mission. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Par tous les moyens. Tous les moyens. Par tous les moyens. Dis-moi, par tous les moyens. Sois quelqu'un qui veut gagner des âmes par tous les moyens. Sois quelqu'un qui cherche à sauver par tous les moyens. Tu ne pourras pas sauver tout le monde. Paul n'a pas pu le faire. Jésus n'a pas pu le faire, c'est vrai. Mais il dit, je fais tout pour tous afin de gagner le plus grand nombre. Il y a trop de gens qui périssent dans ta famille. Tes oncles, tes tantes, tes nièces, tes neveux, tes frères, tes soeurs, ils périssent. Ils ont besoin de tes prières. Ils ont besoin de ton aide. Ils sont en train de crier. Mais parfois, eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont malades, ils sont morts. Ils sont morts. Ils ont besoin de toi. Et toi, comme tu as la lumière, toi, tu vois ce qu'eux, ils ne voient pas. Par tous les moyens, sauve-en quelques-uns. Par tous les moyens. Cette année, par tous les moyens. En rentrant à la maison, par tous les moyens. Il y en a qui ne sont pas sauvés dans ta famille. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Je parle à quelqu'un, dis amen. Il faut témoigner Christ. Servir le Christ. Ce n'est pas les gagneurs d'âme. C'est tous les moyens. Tout le monde. C'est l'attitude. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Je ne sais pas. Je parlerai. Mon travail, ce n'est pas de convaincre. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra les cœurs, le monde. En ce qui concerne le péché, ce n'est pas moi qui convainc. Moi, je parle. Je suis aux ordres, puis le Saint-Esprit touche. S'ils n'ont pas répondu, au moins j'ai parlé. Dis amen. Si tu parles, puis on te jette, on dit, ah, Kenekuna Zoba, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un d'autre qui t'écoutera. Si on, il y a quelqu'un qui t'attend. Dans ta famille, là, il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui prie pour être sauvé. Mais il n'a pas envie de te le dire parce qu'il est plein d'orgueil. Toi, sois miséricordieux. Prie pour les gens de ta famille. Prie pour les gens de ta maison. Prie pour ce que toi, tu connais. Est-ce que tu sais, je termine, qu'il y a une raison pour laquelle tu rencontres les gens? Personne ne rencontre quelqu'un par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours un but pour lequel tu rencontres quelqu'un. Ça peut être un jour, ça peut être un instant. Il y a toujours un but pour lequel tu rencontres les gens. Il y a toujours un but. Si quelqu'un me suit, dit, est-ce que je peux prendre encore un peu plus de temps? Jean chapitre 1, verset 40. Je vais terminer par ça. Par tous les moyens. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. André était le frère de Simon-Pierre. Simon-Pierre, qui devient une colonne de l'église, n'était pas encore sauvé. Mais au verset 41 de Jean 1, il est dit, « Ce fut lui qui rencontra le premier. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré son frère Simon. Il a fait quoi? Il a rencontré. C'était une rencontre. Ne méprise jamais les rencontres. Ne méprise jamais les rencontres. André a parlé à son frère Simon. Et lui a dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il conduisit Simon-Pierre vers Jésus. Quelqu'un doit être conduit par toi cette année vers Jésus-Christ. Il le conduisit vers Jésus. Oh, dis amen. Et Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé désormais Céphas. Toi, tu es quelqu'un d'instable. Simon veut dire instable, inconsistant.
toi désormais tu seras appelé solide, stable. Tu as vu, il voit quelqu'un qui est instable, il dit toi tu seras, je ferai de toi quelqu'un de stable, quelqu'un de lourd. Tu vois, s'il n'avait pas rencontré Jésus, sa vie n'aurait jamais changé. Il serait toujours aussi instable, aussi inconstant, aussi indécis. La rencontre avec Jésus a fait de quelqu'un qui était instable dans les affaires, instable dans la vie, quelqu'un maintenant de stable, de solide. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Mais pour cela, toi, tu dois comprendre, tu dois emmener les gens à Jésus. Il faut emmener les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça a commencé par une rencontre. Dis amen. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Encore une rencontre. Toutes les rencontres que tu fais ont un but. Toutes les relations que tu as. Même dans le bus, là, tu es assis à côté de quelqu'un. Il y a un but. Dieu peut toucher la personne par tes propres paroles. Oh, crois ces paroles. Dieu ne permet pas que tu rencontres quelqu'un par hasard. On l'appelle le Dieu des rencontres. Cette semaine, il va te donner des rencontres. Avant de quitter la maison, cette semaine, tu dis, Seigneur, fais-moi rencontrer des gens que tu veux sauver. Saint-Esprit, je refuse de vivre une journée sans sauver une âme. Je refuse de vivre une journée ordinaire. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton canal. Fais de moi ta bouche. Parce que tu habites en moi. Par moi, donne la vie, donne l'espoir, donne la foi. Relève ceux qui sont tombés, redresse ceux qui sont courbés. Restaure par cette semaine. Si tu vas à une veillée, comme les gens ils aiment les veillées. Matanga, toi Matanga, c'est pas pour Matanga. Pas pour aller pleurer. C'est pour chercher une rencontre. Quelqu'un que Jésus veut toucher dans la veillée. Quelqu'un que Jésus veut toucher. Dis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, je veux être ton instrument. Tu m'as dit d'aller, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Emmène-moi vers quelqu'un qui a besoin de toi. Quelqu'un que toi tu veux sauver. Je te le garantis, le glorieux Saint-Esprit te conduira. Et dimanche prochain, tu me diras, pasteur, j'ai gagné deux âmes. J'ai emmené deux âmes. André emmena Simon-Pierre à Jésus. Et Jésus a changé la vie de Simon-Pierre. Et la récompense d'André, on ne parle pas d'André dans la Bible comme on a parlé de Simon-Pierre. Pas du tout. Simon-Pierre a été élevé par Jésus. Il est devenu un grand apôtre. André n'a pas brillé comme son frère. Mais André, c'est le moyen. Il est l'instrument que Dieu a utilisé pour amener l'autre au salut. Quand Simon-Pierre est élevé, André aussi est élevé. Parce que ce n'est pas André que Simon-Pierre est entré dans le royaume. Si tu as compris, dis un bon amen. Donc, il y a des gens à qui toi tu peux parler. Ils ne sont pas comme toi, mais demain ils peuvent te dépasser. Ce n'est pas un problème. C'est par toi qu'ils sont rentrés dans le royaume. Dieu a mis ton nom comme étant le nom. Oh. Si quelqu'un reçoit ces paroles, dis un bon amen. Une seule personne que tu sauves, toi, peut bouleverser le monde. Dieu avait un grand projet pour Simon-Pierre. Mais quelqu'un devait emmener Simon-Pierre à Jésus. Ça a été André. Après, on n'a plus parlé beaucoup d'André. Presque pas. On a parlé beaucoup de Simon-Pierre. Mais André, sois un André. Emmène les gens à Jésus. Si tu as reçu ces paroles, dis-moi amen. Si quelqu'un entend la parole du Seigneur aujourd'hui, dis-moi amen. Cette semaine, vraiment mon frère, cette année d'accroissement viendra quand tu vas apprendre à servir le Christ dans sa divinité et dans son humanité. Jésus veut sauver les hommes. Il est mort pour les hommes. Il a donné sa vie pour les hommes. Il veut se révéler aux hommes. Et il cherche des hommes, pas des pasteurs, des hommes ordinaires par lesquels il va intensifier sa gloire pour toucher le monde entier. Incline ta tête là où tu es et tu vas prier. Pour dire, Seigneur, fais de moi un André. Fais de moi un gagneur d'âme. Que ce ne soit pas seulement les autres. Fais de moi un André. Fais de moi un André. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Je dois devenir un gagneur d'âme. Par tous les moyens. Mon frère, je t'en supplie.
Tu peux vivre sur la terre une vie, tu es sauvé, mais tu ne penses qu'à toi. Tu paraîtras un jour devant Dieu, tu auras à rendre des comptes. Tu seras jugé, ma sœur, parce que tu n'auras pas fait plaisir au cœur de Dieu. Servir le Christ dans son humanité, ma sœur, je t'en supplie, c'est aller, aller. Ils sont perdus dehors, allez. Témoignez Christ, parlez de Christ, comptez seulement sur le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire. Il dit, ne t'inquiète pas, ouvre ta bouche, moi-même je vais la remplir. C'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui touche. Toi tu parles seulement, mais le Saint-Esprit convainc. Demande à Dieu la grâce d'être un André, quel que soit le lieu où tu es. Dieu cherche des André qui vont emmener des gens à Jésus. Dieu cherche des André qui vont emmener des âmes à Jésus. Est-ce que tu es ce André? Demande-lui la grâce de faire de toi un André. Demande-lui la grâce de faire de toi un Paul. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Se pourrait-il que ta vie soit une succession de malheurs parce que ta bouche est fermée? Tu as refusé d'aller. Maintenant, les choses se compliquent dans ta vie parce que tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Allez! Il y a un monde à gagner. Il y a un Congo à gagner. Il y a des Brazzaville. Il y a des Pointe-Noire, des Dolisi, toutes les villes du Congo. Les Ouesso, les Owando, les Oyo, les Gamboma, il y a les Nkaï. Il y a un monde à gagner. Il y a les nations alentours, il y a les villes, les grandes villes, les petites villes. Dieu cherche des André, Dieu cherche des Paul. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu cette grâce? Est-ce que tu es en train de supplier Dieu? Mon frère, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh, que cette parole pénètre dans ton cœur. Qu'en sortant d'ici, non seulement tu as honoré Dieu, tu as adoré Dieu, mais en sortant d'ici, tu ne sors pas pour aller directement manger quelque part à la maison. Tu cherches quelqu'un à amener à Jésus. Tu cherches quelqu'un à amener à Christ, à sauver. Les gens sont en train de souffrir. Les gens ont besoin du Seigneur. Les gens sont perdus. Ils ont besoin de Christ. Et Christ doit se révéler à eux. Et répète cette passe, cette sainte prière avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Tel que je suis, je reconnais mon incapacité à faire quoi que ce soit de bon par mes propres efforts. Mais Père, je compte sur ta grâce, sur l'assistance, sur l'aide de ton Saint-Esprit que tu m'as donné pour faire de moi un témoin de Christ, pour faire de moi un annonceur de l'évangile, un prédicateur de la bonne nouvelle, là où tu m'as envoyé. Accorde-moi la grâce de sauver quelques âmes par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Que des âmes entrent dans le royaume, naissent dans le royaume, par ma vie. Par tous les moyens, je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette prière et je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Et quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit Amen. Les robobos chamaran et les bossi kataraba. Roma sete la bra lo si ataraban de leso karababa. Oh ria baria baria baria. Le Saint-Esprit veut réveiller l'esprit du gagnant d'âme qui s'était endormi. Le Saint-Esprit veut réveiller ton cœur qui était endormi. Réveille-toi ce matin. Le koraba seka. Il y a quelqu'un ici, beaucoup. Vous étiez assoupi. Tu avais perdu la soif de évangéliser, la soif de témoigner. La soif de parler. Prato lesia ko rababa rebababa boseke. Il a envoyé sa parole pour te réveiller maintenant. Nebo rababa seke te baba. Il veut compter jusqu'à trois. Tu vas sentir la présence de l'Esprit te remplir. À trois, il va te remplir, te revêtir maintenant. Ribababa.
Les baba, les baba, si tu veux recevoir au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. 1, 2 et 3, reçois le Saint-Esprit, reçois le vent de l'Esprit, reçois le souffle nouveau, reçois le toucher de l'Esprit, reçois le toucher de Dieu. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Reçois le toucher de Dieu dans le nom de Jésus. Il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut. Dans le nom de Jésus le Christ, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, reçois la puissance d'en haut maintenant. Lève tes mains, reçois. Reçois le vent de l'Esprit, le toucher de l'Esprit. Il réveille la soif. Il réveille ta capacité à gagner des âmes, à parler de Jésus. Ne pari kababa ri kababa sekete ri bababa ri kababa. Seigneur mama sete karta rababa ri baba bo sekete le bragosa. Par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les moyens. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je n'évangile, je n'évangile par tous les moyens. Restez tranquille maintenant. Rokamane barebabo si kababa. Riamane le bro si yaba. Esprit du Seigneur. Ribako si yabara ande ekosa. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Tu m'as envoyé avec cette parole. Et kabare baba. Confirme ta parole dans les cœurs. Embrase ses cœurs. Embrase ses cœurs. Jérémie a dit que quand j'ai décidé de me taire, il y avait comme un feu dedans de moi qui me prenait. Je ne pouvais pas me taire. Que ce feu soit dans ton cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Que ce feu brûle dans ton cœur. Reçois ce feu pour témoigner. Ce feu pour témoigner. Ce feu pour témoigner. Ce feu pour parler de Jésus. Reçois ce fardeau. Reçois ce feu. Libra kaba. Ribadaba se. Le rababo se. Lève tes mains, reçois. Lève tes mains, reçois. Reçois le fardeau de Dieu. Il veut communiquer son fardeau. Il veut communiquer son fardeau. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Rikaba, rikaba, ribaba, riba. Rikababo, sema, leba, rebaba. Lobo, shakata. Kemadele, bravo, c'est. Glorieux Saint-Esprit. Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur. Oh, ah, ah, ribaka seta kata kata. Oh, eh, parika baba. Que ces cœurs que je vois sont abrasés comme Jérémie, incapable de se taire. Qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit te oint, ils te rend capable de parler. Afin de gagner le plus grand nombre par tous les moyens. Par tous les moyens. Il te donne la sagesse par tous les moyens. Il te donne le courage par tous les moyens de témoigner de Christ. Afin de servir le Christ dans son humanité. Paul, Saul et Barnabas, après avoir rendu un culte à Dieu, ils s'en allèrent. En sortant ce matin, tu t'en iras. Pas pour aller manger rapidement, mais en allant à la maison, tu témoigneras. Si la korababa, levons nos mains. Si quelqu'un a reçu cette parole, lève tes mains. Rends grâce à Dieu. Il fait de toi son ambassadeur. Il fait de toi son missionnaire. Il fait de toi son envoyé. Il fait de toi son envoyé. Saint-Esprit. Si toko rabati abarababo, librasko barayaba. Rends-lui gloire, il fait de toi son instrument. Il fait de toi son instrument. Il fait de toi son instrument. Librato koski abari ama oskete. Il est en train de restaurer la passion. Il est en train de restaurer le zèle par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Rokoski barika barikoskia.
par tous les moyens. Dilabrandokoska, il confirme sa parole par tous les moyens. Il fait de toi quelqu'un qui est animé d'une mentalité par tous les moyens. Je dois sauver quelques-uns. Je veux servir le Christ. Je veux servir Jésus le Christ par tous les moyens. Je veux servir Jésus dans son humanité. Il veut gagner les âmes. Seigneur et Père, merci de ce que tu nous as fait cette grâce. Tu nous as parlé ce matin. Béni soit ton nom. Célébré soit ton nom. Apprécié soit ton esprit et tes œuvres. Nous rendons la gloire à Jésus. Nous rendons les actions de grâce au Père. Béni sois-tu, Seigneur, par tous les moyens. Tu fais de nous des vases et des instruments par tous les moyens. À Jésus qui fait ces choses par la puissance du Saint-Esprit, à Jésus la gloire, l'honneur et la louange. Il se choisit des vases par tous les moyens afin de sauver le plus grand nombre. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Si tu es d'accord avec la prière, réponds Amen à sa parole.